Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous reprenons les activités. Amen. Amen. On va juste écouter peut-être deux aveux. Après ça, j'ai fait des séries de réception. Et si je suis épuisé, j'arrête. Je suis en train d'aller doucement en fonction de la force que j'ai. N'oubliez pas que j'ai travaillé pendant des temps aux États-Unis. Je vais même attendre un mois avant de reprendre les activités. Parce que durant toute l'année, on a quand même bossé. Mais nous sommes appelés à aider les gens. Donc j'ai décidé de venir ce soir. Et en même temps, après cette rencontre, on aura l'occasion de recevoir certaines personnes. Voilà. Mais les réceptions se poursuivent encore au cours de la semaine. Elles se poursuivront au cours de la semaine par la grâce de Dieu. Amen. Je pense qu'on a bien compris que l'arme du chrétien, c'est la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien? On m'écoute très bien? Amen. Ok. Généralement, on vient voir le prophète, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de voir Dieu aller dans notre vie. Ok. Maintenant, quelle est l'arme que vous avez? Ça, c'est important pour vous défendre. Souvent, on a l'impression que c'est le prophète qui doit tout faire. Et quand on a rencontré le prophète, c'est vrai qu'on rencontre un prophète, les choses devaient aller comme si elles étaient, ça c'est clair. Mais après la rencontre du prophète, j'ai une continuité de vie, ce qu'on appelle la vie chrétienne. Parce que après cette rencontre-là, vous devez vivre votre vie chrétienne. Et c'est ça qui est très important. Vous devez, n'est-ce pas, avoir une vie de prière et de consécration. Ça, c'est beaucoup très important. Amen. C'est pour ça que le chrétien doit beaucoup prier. Amen. Amen. Il y a des heures stratégiques, comme je disais ce matin, il y a ce qu'on appelle l'aurore. Au petit matin, c'est-à-dire à partir de 3h30 du matin, un chrétien doit se lever en principe pour prier. C'est ce qu'on appelle l'aurore, pour posséder la journée. L'enseignement que j'ai donné tout à l'heure, il a dit tout commence par la parole. Tout est fait par la parole. Et rien ne peut se faire sans la parole. Et ça, c'est vraiment très important. Vous démarrez une journée, vous devez la démarrer, la parole prophétique, vous devez posséder la journée. Parce que la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un système de programmation. Donc, ça n'existe pas l'improvisation. Ça n'existe pas. Et programme. L'accident qui devait avoir lieu demain à 9h a été déjà programmé dès cette nuit. Ou bien depuis fort longtemps, ça a été programmé. Non, c'est une programmation. La vie est faite de la programmation et de la déprogrammation. Donc, la seule chose que vous faites, quand vous levez le matin, parce que quand c'est le matin, et puis c'est pas bon qu'un chrétien se lève 6h, 7h du matin. C'est pas bon. Un véritable chrétien, ce qui doit le préoccuper, sa connexion avec Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Sa connexion avec Dieu. C'est-à-dire, si toi, ça ne te dit rien, tu n'es pas chrétien. Si prière ne te dit rien, c'est que tu as un problème. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il va avoir cette soif-là de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous donne la force pour aborder la journée. C'est ça que David dit. Dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc, la première des choses, quand ça doit être dans la tête du chrétien. Si tu n'as pas cette soif-là, c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il n'y a pas ça en toi. Parce que la connexion, c'est comme un téléphone que vous avez, quand vous manquez de réseau, c'est l'opérateur économique, vous n'avez pas de réseau d'Orange sur votre téléphone, vous regardez un peu comme ce que vous ressentez. Vous êtes emmerdé parce que vous avez un problème, on ne peut pas vous joindre. C'est comme ça. Quand vous manquez de prières, mais c'est fini, vous êtes déboussolé. Parce que la force, votre force demeure en Dieu. C'est pour ça que quand un chrétien il est matin, ce qui doit l'intéresser, c'est la prière. C'est pour ça que la chose qu'on doit faire avec beaucoup d'excès, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, 18, 17, 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On dit prier sans cesse. Le chrétien doit prier constamment. C'est un commandement. J'ai dit veillez et priez. Donc la prière, le chrétien doit beaucoup prier. Mais il y a des autres stratégies de prière. Telles que 4 heures, à partir de 3h30, réveillez-vous frère. On va peut-être verser lui sur toi, c'est vrai. On va beau prier pour toi, c'est vrai. Les choses vont se faire. Dans un premier temps, ça va se décanter. Mais tu vis une vie. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. C'est une continuité de vie. Or, cette vie-là s'alimente avec la prière. Parce que la Bible nous dit dans Corinthiens, l'âme la plus puissante, l'âme, la prière, les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Parce que chaque jour que vous voulez, si vous voulez ou pas, chaque jour, il y a des forteresses qui se dressent. Il y a des murs que le diable vient dresser devant vous. Or, pour renverser ces murs, il faut qu'il soit un homme de prière. La vie, vous voyez là. Le diable est toujours en courroux. Il est très énervé. Il ne veut pas nous voir rentrer dans la bénédiction. Donc, quand on prie pour vous, qu'on verse de lui, c'est un plan qui est déjoué. Mais en même temps, il prend du recul, et puis il s'apprête
pour revenir, mon iPad. Il revient à l'attaque. Or, pour vous, pour aider, pour entrer, pour avoir la victoire sur le diable, la seule chose qui peut donner la victoire sur le diable, c'est la prière. C'est pour ça que quand vous commencez à négliger la prière, commencez à pleurer, vous donnez du terrain au diable. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui viendra vous aider à vivre votre vie chrétienne. Elle est personnelle. Amen. Amen. La vie chrétienne, elle est personnelle. C'est une vie personnelle. Elle est individuelle. Or, elle s'alimente par la prière. C'est pour ça que quand vous négligez la prière, vous bouleversez toute cette chrétienté-là. Parce que c'est dans la prière qu'on a cette connexion. On est en contact avec le Créateur, qui est notre Dieu. On est en contact avec lui. Et si vous êtes en contact avec Dieu, il vous donne l'onction nécessaire pour gérer votre quotidien. Soyez saisi. Il vous donnera l'onction. Mais si tu n'es pas en contact avec Dieu, comment tu peux avoir une onction? Comment quelqu'un peut vivre sans Dieu? Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. On ne peut pas vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible d'ailleurs. On ne peut pas vivre sans Dieu. Ce n'est même pas possible. Amen. Amen. C'est cela qu'il faut que chacun comprenne que c'est vrai, même si on est délivré, on a des soucis, on a des problèmes parce qu'à un moment donné de notre vie, or, vous savez, la spiritualité, ce que la spiritualité n'aime pas, c'est la négligence. Les gens sont négligents. Et you know, or, le diable aime bien ça. Le diable aime bien que vous négligez les choses. Il aime bien ça. Si vous commencez à dormir, c'est fini. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne ressent pas ce besoin, à 3h30, je vous dis, il y a les heures stratégiques de prière, c'est 3h30 du matin. Parce que 4h, nous annonce l'aurore. Or, eux, ils préparent. La nuit, ils préparent. Non, les sorciers, ils s'assoient, ils s'asseyent, puis ils pensent comment vous détruire. Leur stratégie, c'est comment te nuire. Donc, chaque jour, nous sommes en combat perpétuel avec le royaume des ténèbres. Or, l'arbre qui peut te déjouer, les gens disent, non, je suis trop attaqué. Mais c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Toi, tu es là, et puis le diable ne va pas t'attaquer. Mm. Plutôt que ils sont trop attaqués, mais ça va juste être important. Quelqu'un est là, il dit, non, il est trop attaqué. C'est normal, l'attaque. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans attaque. Jésus-Christ a été éprouvé, Jésus-Christ a été attaqué, mais dans les attaques, Jésus-Christ est resté. Il nous a donné un exemple, c'est la prière. Donc la prière doit être pour vous une arme pour brandir ça. C'est vrai qu'on a des lui d'onction qui vient nous aider de temps en temps pour décanter certaines actions. Mais là, le chrétien, l'âme du chrétien, c'est la prière. C'est ce que quand un chrétien se lève matin et une heure stratégique, frère, il y a des heures de prière. Il y a des heures à quelles les anges viennent vous visiter. Il y a des heures, telles que 3h30 du matin, vous allez voir que le royaume de la sorcellerie, ils ont fini la réunion. Hein. Leur conclave, là, ils ont fini ça à 3h, ça c'est fini, 3h30. Hein. Parce qu'un sorcier ne reste pas dans son corps jusqu'à 4h du matin. Hein. Non, s'il reste encore en train de manger, à 4h il meurt. Il est obligé de mourir. Parce qu'à partir de 4h, s'ouvre les portes de la journée. C'est pour ça que nos frères musulmans, ils font à l'arbre, le musulman commence à parler à partir de 3h. Regardez la montre. À partir de 3h30, le musulman du quartier commence à appeler. Et à 4h, les musulmans prient. C'est les heures stratégiques. C'est à 4h qu'on appelle l'aurore. Or, l'aurore, vous voyez là, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est l'aurore là qui fait une passation de service. L'aurore donne tout ce qui a été dit au cours de la nuit. Ils l'ont programmé. Parce qu'on te programme bien. C'est une programmation. Tout ce qui vous arrive là, c'est une programmation. Et qu'à telle heure de la journée, il doit mourir. Donc, c'est une programmation. Et ça, c'est là. Donc, si toi, tu n'es pas venu pour déprogrammer, oui, c'est ce qu'il dit aux gens. Il y a ce que Jésus fait, et puis il y a ce que nous pouvons faire. Donc, Jésus, il ne peut pas venir nous défendre. Or, nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et les serpents, et surtout le pouvoir du diable, et rien ne pourra. Il vous a donné le pouvoir. C'est-à-dire, il t'a donné un pouvoir, il faut l'exercer. Vous m'avez saisi? Il faut l'exercer pour délier les liens. Donc le diable il programme, bien sûr. Le diable a programmé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Toi tu viens déprogrammer ce qu'il a programmé. Tu annules ça. Donc quand vous levez matin, à 3h30 du matin, quand vous levez à 3h, ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Nous sommes dans un monde très dangereux. Où chaque nuit, c'est le monde des ténèbres. On les appelle le monde des ténèbres. Chez nous, en Angola, on l'appelle Soubara. Le monde des ténèbres travaille. Eux, ils ne lâchent pas. Chaque nuit, ils font que parler. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcier. Ça n'existe pas.
Même s'il n'y a pas les sorciers de ta famille qui t'attaquent, tu vas voir que même dans ton entourage, dans ton quartier, les petits sorciers, ils ont envie de petite étoile à briller sur toi, ils veulent te manger. Partout on est d'attaque. J'ai l'impression que ça vient de partout. C'est qui arrive à maîtriser l'attaque, c'est la prière. Quand Jésus était fatigué de l'attaque, il allait prier dans le jardin de Gethsemane. Il a surmonté l'attaque. On doit le livrer. Donc le chrétien doit prier. Sans la prière. Donc la nuit, eux, ils font les prières. Eux, ils viennent causer. C'est-à-dire, c'est une confrérie qui discute d'un sort. On dit, demain, il faut qu'à 10 heures, telle personne doit mourir. On dit ton nom. C'est sur le fichier. C'est fini. On a fini, on a réglé le problème, c'est fini. Donc, l'aurore est là. Donc, ce qui a été décidé la nuit, l'aurore, donc, c'est à partir de 3-4 heures, la journée commence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? On a dit dans la nuit, la sorcellerie dit tu vas mourir à 10 heures. Donc, quand tu n'as pas déprogrammé, n'est-ce pas? À 11, à 7 heures-là, tu dois te réveiller pour déprogrammer. Le son combien? Laurent, le son combien? Vous retenez bien. 100. Hein? Le son? 119. Le 145. On peut toucher ça? Mais la âme, il n'a pas envie de t'attacher. Tu es attaché qui? Hé, hey, t'es sorcier? Tu as mangé qui? Tu veux délivrer? Tu as fait quoi? Elle est venue qui? Hein? Ah, c'est toi encore. T'es sorcier? T'es sorcier? Hein? Tu as tué? Hein? Tu as tué? Tu n'as pas tué? Tu as mangé? Toi, t'es sorcier? T'es sorcier? Qui t'a envoyé? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as tué qui? Hein? Tu as tué ta grande soeur? Elle est où? Hein? À Giglo. Tu l'as attrapée. Tu dis tu vas la tuer. Comment? Hein? Hé, hey, regarde-moi, tu as parlé. Comment? Hein? Ok, donc, les enfants comme ça, ils viennent te manger. Une bonne sauterelle, ménager de jungle dedans. Un photo pendant nuit. Un enfant. Parce que tu ne sais pas que la vie là, c'est le côté spirituel qui est plus important. Les gens nous oublient l'aspect spirituel de la vie. Or, c'est la spiritualité qui fait l'être humain et le monde. Le psaume 119, le verset 147. Écoutez très bien. Le psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore. Écoutez, il dit je dévance l'aurore. L'aurore est à 4 heures. Il dit mais je précède l'aurore. Avant que l'aurore n'arrive, moi je dévance l'aurore. C'est l'aurore qu'on appelle matin du bonheur. Donc à 3h30, c'est dévancer l'aurore. Pour implorer ton aide. Il dit pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Amen. Vous avez compris? Je dévance l'aurore. L'autre côté, c'est quoi le psaume? Le Job 38, c'est ça? Verset 12. Job, prenez Job 38, verset 12. Vous allez comprendre bien. Je viens de vous donner un enseignement. Hein. Si vous quittez ici, là, le système demeure, ce n'est pas vous qui avez créé ça. Le système de la programmation, de la déprogrammation, c'est quelque chose qui existe. Donc, eux, ils travaillent avec lui. Ils sont là pour ça. Maintenant, si toi qui viens, tu n'as pas cet enseignement-là, qu'on a fini de prier pour toi, ils reviennent constituer leur muraille, leur forteresse. Ça revient. Ah, le prophète a prié, mais ça va rester pour combien de temps? Si toi-même, tu ne t'intéresses pas à la spiritualité. C'est pour ça que je vous dis, quand Dieu vous sauve, là, c'est pour le servir. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Si Dieu ne voit pas cet intérêt en vous, il vous livre à Satan. Amen. Dieu, quand il te sauve là, c'est pour le servir. Frère, Dieu ne joue pas. Hein? Il va venir te donner guérison, cadeau, puis toi aller partir comme ça, sans le servir. Il va te protéger pourquoi? Or, la Bible dit que l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Dieu te sauve pour le servir. Donc, se sauver pour servir. Job 38, le verset 11. 12.
12 plutôt. On fait la lecture. Ils sont dedans. Moi, il me réveille matin, je déprogramme. Donc, moi, il m'en fout. Si battu vient où, il est déjà déprogrammé. Tout le système, rien n'est. Non, ça n'existe pas. Tout est question de programmation. Les gens mettent là, souvent, les voitures vont sur les gens, tu es étonné. Comment une voiture quitte quelque part dans une nian et ça va percuter quelqu'un qui est dans sa chambre, il meurt. Ça a été déjà programmé. L'avion fait crash, ça a été déjà programmé. Ils sont experts dedans. Donc, rien. Mais vous dormez, oh Jésus dit, tout ce que vous liez sera lié, tout ce que vous déliez sera délié. Vous jouez ce verset. Amen. Job 38, le verset 12. Écoutez très bien. Oui, 38. Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes. Il dit depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Réponds le verset. Depuis que tu existes. Il dit depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé au matin? Je vous ai donné ce matin. Que c'est une question de parole. Au commencement était la parole. Est-ce que tu as adressé une parole au matin? Tu as dit au matin, quand je me lève, toi, en journée, du lundi, tu dois me réserver la paix, la santé, l'argent et les bonnes choses. Les vilaines choses doivent dégager sur mon chemin. Je prophétise que la journée de demain, lundi, soit pour moi une bonne journée. C'est ça que la journée attend de toi. Est-ce que tu as parlé? Rien. Tu n'as rien dit. Donc, la journée a programmé les vilaines choses qui doivent arriver ta vie. Ça te surprend pourquoi? Non, le Seigneur est là. Le Seigneur est là comment? Amen. Le Seigneur est là pour comment? Il t'a donné l'arme qui est la prière, qui est la parole. Et toi, ça te dirait qu'il prie. Or, on dit, depuis que toi tu existes, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Tu as une fois donné. Allons-y. As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as monté la place à l'aurore? Dis à l'aurore, voici ce que j'ai vu au cours de la journée. Tu as une fois tout ça? Allons-y. Pour qu'elle en saisisse les extrémités de la terre. Pour qu'elle exécute. La verbe action, pour qu'elle s'exécute. Pour qu'elle s'exécute. Pour que ce que tu as dit là, ce qui ça se réalise au cours de la journée. Lundi là dépend de toi. Demain c'est lundi. Ce que toi tu veux avoir lundi là, dépend de toi. Quand tu te lèves lundi, la journée là, c'est Dieu qui l'a créée. C'est ton papa Dieu. Oh la journée de lundi à tous les gnani, vous savez très bien. La mort, la pauvreté, accident, mauvaise nouvelle, tout ça est là. Maintenant, lundi attend que tu parles. Parce que le Dieu que tu pries est le Dieu du temps. Mais toi, tu ne parles pas. Merci Seigneur, j'ai dormi. Merci Rémi. Amen. Ça ne fait rien. C'est prière vaincue. Dis à quelqu'un prière vaincue. Prière vaincue. Les gens, même là, ils ont des prières bizarres. Tu dis, mais non, c'est normal que les sorciers vous mangent. Mais vous priez. Amen. Vous faites des déclarations au cours de la journée. Tu dois parler. Je me lève, je parle. Je rentre en possession de la journée de lundi. De 6h à 18h, 20h. Tu sais ce qui va se passer? C'est ce que tu as dit. Je vous ai dit ici que ce qu'un homme sait, c'est ce qu'il récolte. On vous a dit ça ici. Oh, la parole est une sémence. Amen. Est-ce que tu m'as bien suivi? Amen. Amen. Il y a des gens même là, ils ne priment pas, ils vont se brosser. Puis ils disent, j'ai oublié de prier. Dans la douche, ils disent, Seigneur, Seigneur, c'est tout. Vous êtes vaincu, hein? C'est une sorcellerie, vous jouez comme ça. Oh, nos frères musulmans, j'ai remarqué une seule chose. Quand je suis devenu chrétien, j'ai vu que le critique, les musulmans, je crois, le vieux peut quitter Adjoula beaucoup. Et puis il peut prier là la nuit dans le noir. Pour payer sa musulmane. Parce qu'il ne joue pas avec sa prière. Nous, nous négligeons tout. Nous négligeons tout. On va commencer. Hein. C'est que j'en ai dit là. Vous serez chaud demain. Et puis après le diable a dit, ok, toi, tu vas me voir ici. On va commencer. Le diable derrière, tu as libre. L'euro. Mais ça va continuer. Ça doit continuer. Parce que c'est une vie chrétienne. La chrétiennité, frère, elle est individuelle. Il ne faut pas compter forcément sur la prière du prophète. On peut prier pour tout le monde, mais toi, tu dois vivre cette vie chrétienne. Donc, la prière, c'est l'âme du chrétien. La prière reste l'âme du chrétien. C'est pour ça que vous devez comprendre. Quand vous venez au centre ici, après le centre,
Le ministère, de délivrance, ça vient pour vous délivrer, ok. Mais après, vous retournez, il y a une réalité, vous vivez vos vies chrétiennes. Et comment? C'est en priant la parole, en priant et lisant la parole de Dieu. Et en la mettant en pratique après. Je suis pas bien saisi. Donc, t'as dit, vous voyez que dans le psaume, dans le Job 38, dit, tu n'as même pas parlé à l'aurore depuis que toi tu existes. Or, l'aurore a besoin d'entendre une parole de ta part. On m'a bien saisi. Amen. Donc, ça veut dire que la balle est dans notre camp. La balle reste dans notre camp. Quand vous levez le matin, la journée vous voyez là, c'est trop sacré. La journée vous voyez là, c'est trop sacré. C'est trop sacré. La journée vous voyez là, c'est tellement sacré qu'on ne joue pas avec ça. Il y a trop de choses. Le diable n'est pas content. Et ils sont étonnés, pourquoi tu n'es pas mort? Parce qu'il y a les morts prématurés que les gens prévoient contre ta vie. Ils sont surpris que tu sois vivant. Donc, eux, ils disent, oh ma chérie, ils étudient. Or, il ne faut pas négliger la prière. Mon vous n'a pas dit, vos prières, ou dénoncer le quartier, là, pardonnez. C'est pas prier, oh Seigneur, le feu! Le feu! Pardonnez. C'est une prière d'intimité en toi et le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent, non, quand ils prient doucement, Dieu, non, Dieu entend dans le silence. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Quand vous réveillez le matin, je vous explique. Quand vous réveillez le matin, pour ceux qui ne peuvent pas mettre votre portable, aujourd'hui on a les portables, il y a les réveils dedans. Mettez vos portables sur le réveil. Quand vous réveillez le matin, vous remerciez d'abord le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir réveillé en bonne santé. Et quand vous finissez de dire merci de m'avoir réveillé en bonne santé, mettez les deux mains sur la tête pour déprogrammer. Ce que vous déclarez là, c'est ce qui vous arrive. Vous déprogrammez la mort. Vous déprogrammez tout ce qu'ils ont programmé contre vous. Amen. Et après avoir dit ça, vous adressez à la journée. Vous parlez à la journée. J'aimerais que cette journée m'apporte la paix. J'aimerais qu'elle m'apporte un espoir de bonheur dans le foyer, la paix. Souvent, il y a des gens qui disent, ton mari, il n'est pas d'humeur. Ça arrive souvent. Les esprits le flashent. Et puis, quand tu les parles, ils boudent. Tout ça, c'est les esprits. Qu'il y a la paix. Quand tu finis de faire, quand tu finis de prier, tu commences à reprendre le psaume 23. Quand tu finis ta journée bouclée, il n'y a plus rien. Ta journée est programmée sur le plan spirituel. Ce que tu as dit là, c'est fini. Tu as une belle journée. La journée, belle journée là, commence par la prière. Tu n'as qu'à être un bishop. Tu n'as qu'à être un révérend. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas une bonne journée. Le diable vous regarde, vous faites pas. Puis à un moment, tout se retourne contre vous un matin. Puis tout dégringole. Or, refusez la négligence de la prière. Quand tu as commencé à faire des jours sans prier, il faut commencer à pleurer. C'est les ruses du diable. Amen. Amen. C'est pour ça qu'un chrétien doit prier. Il se connecte au ciel. Il se connecte à Dieu. C'est nous qui faisons. Sinon, tout à notre portée, nous avons la clé. La clé, c'est la prière. La clé, c'est la prière. Ou ça étant peut-être qu'au cours de la journée, on a programmé pour que tu sois infime. Que tu vives dans une infimité. Une voiture vient percuter ton pied, on coupe ton pied, tu marches avec un pied. C'est quoi ça? C'est des programmations, ouais. On fait, puis ton bras, boum, ton bras, et puis tu viens, un bras, comment ça? Donc, et puis du coup, tu n'as pas l'argent, il y a les dépenses bizarres, ton petit argent de fête là, ça rentre dans ma vie de maladie. Parce que tu n'as pas prié. On m'a bien saisi? Amen. Ne jouez pas de 3h du matin. 3h30 du matin, vous vous levez, commencez à prier. C'est l'aurore. Vous commencez à prier. Alléluia. Amen. Ils sont experts en programmation. Et vous programmez. Ils ont 5 jours dans la semaine où ils travaillent. Ils ont 2 jours de repos. Je suis en train de pousser mon enseignement. 2 jours de repos. Et ils programment. Et ils sont là, ils programment. Quand ils reviennent, ils sont surpris que ça n'a pas marché. Mais parce que toi, tu es connecté à Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu, ça arrive. Il y a des souvent, tu vois des accidents, tu es étonné. Comment ça peut arriver? Ça a été déjà programmé. Ne jouez pas avec la sorcellerie. J'ai un mot d'emploi très dangereux. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Nous devons des guerriers et des guerriers de la prière. Tout dépend de nous. Il y a d'autres qui ne peuvent pas prier, ils mettent la Bible au chevet de leur lit. Vous avez chaud les sorciers, le psaume 35. Vous avez vécu, hein? Vous avez vécu. Ça protège. C'est papier. Bible la même, la marabout, prend vos consultations. Elle est fétichée qui prend ce papier.
C'est la Bible en toi là, qui est plus efficace. Amen. Saisi. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière. Ne jouez pas avec la prière. Si vous négligez la prière, les choses vont vous arriver. Si vous êtes des hommes de prière, vous verrez beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Viens sorcier, vous. Moi, il fallait rapidement. Hein. Viens sorcier. Viens. Viens sorcier. Tu parles pas? Tu parles pas? Hé, je te demande. Tu parles pas? C'est pas que c'est moi qui peux te libérer ici. Hein? Elle est venue avec qui? Hein? Hein? Ah, on te demande, tu parles pas, ou bien? Je suis ton copain, ou bien? J'ai la zappe. Tu es sorcière. Ici. Vous avez trouvé un métier où manger les gens. Ici. Qu'est-ce que tu veux? Qui est? Tu as mangé juste quand tu élèves dragon. Tu vas coucher dans le ventre là. Quelque chose qui mange viande, toi tu viens lui. De temps en temps, s'il a faim, il a fini son jeûne, il vient manger ta chair. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais l'écouter. On revient à zéro. Elle reconnaît qu'elle est sorcière. On l'a pas forcé ici. On t'a pas forcé. Faut dire, faut faire des aveux. Je suis sorcière, je bouffe les hommes. Tu bouffes les gens. Ah, tu vois, elle poulet, tu vois, tu laisses les gens, tu manges. Hein? Réponds à une question. Tu vois les hommes et tu les manges. Comment tu trouves ça? Mais pourquoi? Mais quoi? C'est l'esprit malin. Sorcellerie là qui fait ça. Qui te fait ça? Et c'est d'où quand tu manges l'homme? Amen. Il y a le corps du homme. Je te demande. Amen. Papa, amen. Tu manges quelle partie? Roger lui, il mangeait en ventre-trip. Roger, les délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui, lui je parle les os, hein. Non, bah, il n'a plus trop de dents. Lui, en va s'en bat, non? Oui. Des dents ici là. Oui. Tu fais une bonne sauce, graine. Un manœuvre, foutu et tu manges. C'est comme ça. Amen. Non, les délivre. Et puis ils voient ça comme des conneries demain. Il faut les délivrer. C'est une maladie. Toi, tu manques un parti. Pourquoi il y a trois parties que tu as mangées. La tête, le cœur et la cuisse. Tête, le cœur et la cuisse. C'est pas ça? Elle. Pas les... C'est... Elle. Ah, ah, vous précisez. Bah, vous parlez, on a des mots. Hein? Donc tu joues à moi. Toi bien comme ça, ces bras là, ils vont te donner où il n'y a pas de chair. Je suis venu te prendre pour te délivrer. Tu joues le prophète. Je suis en train de voir ta sincérité. Elle joue. Pourquoi elle mange, elle sait qu'elle mange la tête, le cœur, la cuisse. Et puis elle dit c'est petit. Toi c'est petit, tu vas te donner. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux alors? Ou bien t'es en train de jouer. Où est-ce que tu dis là, c'est amusement quoi? Papa, wanyon prêt à Wibo. Attends,
tu plaisantes ou bien tu veux dire. Et non, on pourra y avoir un beau. C'est moi qui t'ai envoyé ici. Et je te pose la question. Tu es venu ici pour quoi? Je suis venu pour que je sois délivré. Ah, mais faut. Tu peux avoir, je peux avoir un semblant de délivrance, l'envie de se faire délivrer. Et puis la cuisse. Je comprends bien votre langue. Non, c'est moi qui parle à ta place. Il n'y a qu'à parler à ta place, c'est ça? Tu es sorcière. Comment tu tues les gens? Toutefois que le serpent. Elle est bien un serpent. Voilà. Tu vis avec un serpent. Il est, comment tu l'as eu? On revient. Ça fait bien. Très souvent, quand vous délivrez vos parents, il faut que tu sois en accord. Tu es d'accord avec ce que tu m'as dit? Ça ne te plaît pas? On délivre ta fille, ta maman, tu es d'accord? Tu es d'accord que ce n'est pas nous qui la forçons. Hein? On ne l'a pas forcé ta maman. Hein? Non. Elle n'est pas librement. Elle est libre de dire ce qu'elle a envie de dire. Il n'y a pas une pression, on ne la fouette pas ici. Elle est libre. Donc tu es libre de dire. Nous, c'est notre méthode de délivrance. Tu n'es pas d'accord avec la méthode, tu rentres chez toi tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, on a 8442. Voici un sorcier. Lui, il était plus dangereux que ta maman. C'est dangereux. Mais le voici, là, il est assis parmi les gens. Avant, mettez ta place. Ma place est là-bas. Reste en place en bas. Le quartier général. Voilà, maintenant il est normal. Lui dit, il est venu dire, c'est qui lui plaît ici. Les sorciers sont à part, puis les hommes normaux sont quelque part. Mais c'est normal. Toi tu es sorcier, toi tu aimes viande. Il y a viande à côté de toi, tu vas aller manger. Tout ça à l'église, mais les gens sont à l'église, les sorciers les mangent. Pas le sorcier, mais white, il sent abouti. C'est si c'est chaud, il veut te manger. Comment tu tues les gens? Comment tu tues les gens? Le dragon là. Va, oui, on appelle ça Babamelin, le dragon. Les Didas, là, ils élèvent ça. L'endroit où on élève, on achète le dragon, ça guérit. Oui. Tout ça que la vie de guérir n'a pas été développée. C'est moi qui suis allé faire l'action prophétique en 2006-2007. Puis les choses ont commencé à se décanter. Guérir est devenu département. Les dragons que je suis allé rencontrer là-bas, c'est grave. Nos parents nous ont donné bonnes choses, puis trop sur la terre, c'est des conneries que vous avez comme héritage. À l'acheter sur Libéria, dans les coins bizarres, là, pour venir nous emmerder. Donc l'esprit vit en toi. Et comment il fait? Comment il te prend comment? L'esprit de. C'est pas mon corps. Une fois qu'elle est couchée, le dragon arrive. Et elle, ça va où? Bon, maintenant, quand tu vas tuer les gens, tu fais comment pour les tuer? Si qu'elle va, une fois qu'il y a quelqu'un là. Mais comment tu rentres dans la maison du monsieur? Il ne sait pas, il sait même. On veut tout savoir. C'est dans les murs. Il y a les murs. Maintenant, comment tu fais pour rentrer dans le mur? Attends, regarde ici. Un mur, c'était pour ne pas que quelque chose rentre. C'est ça qu'on a fait un mur. Toi, tu traverses le mur. Tu passes au travers du mur. Nous, on veut savoir ce mystère. Comment tu t'arranges? Tu te retrouves de l'autre côté de la chambre et tu vas tuer ta victime. Explique-nous. Parce que de doux. Le mur est fait pour ne pas quelque chose rentre. Si moi, de doux, ça soit l'eau. Mais c'est à nos sénats. Et c'est mieux, non. Mais au point, mon mère. Et c'est calocré. Et c'est au calocré. C'est banni au calocré.
Très bien. Elle dit, prononce une parole. Et puis ça s'ouvre, puis elle rentre. Vous avez vu, non? Ça revient toujours, la parole revient. Tu dis quoi? Mais ouvre-toi, c'est ça? Donc ça veut dire que si on n'a pas Dieu, on n'est pas protégé. Hein? On est dehors. On est dehors. Et quand tu arrives, tu fais quoi? Maintenant, comment tu le tues? Il est là, il est couché. Il pense qu'il est protégé. Il pense qu'il est dans une maison. Et toi, tu le tues comment? Ça le pique. Sinon, vous dormez, vous avez l'impression que quelque chose vous a piqué. Et ça met tous ces vénins spirituels en toi. Et ça te donne un arrêt cardiaque. Les médecins ont dit non, il a eu un arrêt cardiaque. Ils ont un nom pour ça. C'est toi qui fais ça. Mon nom a ça. Et tu as moyen combien? L'homme c'est doux. L'homme est doux. C'est plus doux que poulet. Ah, le poulet là. Vous voulez plus doux. C'est terrible, hein? C'est doux que poulet, comment il est? Tu as tué combien? C'est bon. 5 personnes. Et ça te fait quoi de tuer quelqu'un? Kaba, c'est non. Elle n'a plus de sentiments. Quand tu tues quelqu'un, ça ne te dit rien. Tu manges, le serpent mange un peu. Et puis vous êtes là, vous vivez comme ça. En train de tuer les gens. Et les gens étaient au courant? Elle dit quoi? Elle dit, ils en suivent ça, les gens savent ça. Ils savent que toi, tu as un dragon, puis il marche avec toi. Nous voyons mon âme là. Nous voyons mon boule là. On sait que tu as un dragon qui mange l'homme, puis on doit être toi. Tu te demandes? Oh, y'a mon boule. Parce que quand il boit mon boule, il y a un boule. Et le dragon, il est où? Et le dragon, il est où? Il est où? Il est où le dragon? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Qui est attaché? Tu as fait quoi? Maintenant, non, y'a gars. Non, y'a wa. Ne blague à gars. Non, y'a gars. Ses enfants. Tu en fais quoi? Ne noie, ne gawa. Comment? Ah, mais elle est là, il y a des animaux qui sont là. Viens m'expliquer. Tu as attaché quel enfant? Quel enfant? Est-ce qu'il est fait? Blanc, canin, maman. Ah. Et ne wa bonna, mais ne wa bonne, ne goutte. Et ne wa blanc, man, mon coeur. C'est nous, na wa toi. Yo blanc, ne sa ni non. Na tete, yo. Oh, oh. Attends, doucement. Elle est le premier enfant là. La première là. C'est qui? Maîtresse Galetoya. Elle a tué, tu as fait quoi? Oh, elle a attaché, livré. Où? Oh. Et de gore. On doit la tuer. Wayoba. On doit la tuer. Oui, tu ne veux pas qu'on défait tes enfants? Tu ne veux pas qu'on les défait? Ne wagwa wa biche waza. Ah, mais il faut parler comme biche. Non, c'est la gwea. Non, mais wagwa te ka yuwa. Et de wagwa. Et de gwa. On le voit pas quoi. Chez elle au village là, monsieur. Qui l'a attaché? Mon avoir. Ah, on quoi? Quand tu dis qu'on l'a attaché chez elle au village, tu l'as attaché, je l'ai. Je veux que tu t'expliques comme okay, ça. C'est toi qui as fait. Tu l'as attaché pourquoi? Ne beau quoi? Ah, et quoi, Ben? Ta propre fille. Et pourquoi? Bon, papa. Tu sais pas dire non. Mais le bois c'est quand nous voyons. C'est plus puissant qu'elle même. Et puis tu viens ça. C'est pour ça qu'elle a pris ton nom. Elle a fui pour venir. Ah, tu es venu ici. En quand tu veux ça? Toi, ça m'a amené quoi? Et la fille doit mourir quand? Et de temps,
Ta fille maîtresse, là, elle va mourir quand? Faites-le. La fête qui vient, là. Vous avez moyen que Dieu nous. Vous êtes dangereux. Hein? Nous, mais on n'avait pas encore attrapé nos poulets. Vous avez déjà pour vous les porcs, les cabris déjà préparés pour les manger. Tu l'as attaché, tu l'as transformé en quoi? Mais que tu as quoi? Parce que quand on a un on a les laissés quoi? Et d'un mois, il y a quoi? Mais que tu as quoi? Poulet. Il n'y a pas de poulet en ville ici. On ne va pas poulet. Les gens ne vendent pas poulet. Les Aoucha ne vendent pas poulet. Aoucha, il y a un oiseau, il y a un ballon. Si tu ne connais pas demain matin, hein, je vais te montrer où on va poulet ici. Oui, mais on ne va pas aller. On se donne un ballon. C'est pour l'homme là qui est doux. Il y a un oiseau qui est doux. Je te demande. Oui, pourquoi tu réponds lentement comme ça? On te force ou bien? On attend, on te force. Non, papa. Non, on est choqué. Papa. Qui l'a accouché? Non, Kario. Tu n'as pas souffert. C'est Kario, Niazé. Et puis tu as mangé ça. Si toi, tes parents t'avaient mangé là, tu allais vivre. Tu as qu'à mourir, c'est qu'à quoi? Il y en a un autre. Et mais il doit protéger ses enfants. On a confiance qu'on vous parle. Donc, on ne doit plus vous faire confiance, là. C'est ça? Les parents deviennent notre confident. C'est toi qui nous ont mis au monde. Toi, tu vois, les gens, on te mort, tu as mis les enfants au monde, tu as souffert, et puis toi, tu veux les manger comme on mange une galette. Mais comment on mange une galette? Les galettes, là, tu manges sans t'en rendre compte. Tu as déjà fini beaucoup de temps. Ça a déjà fini dans la bouche. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire, les gens. C'est ciel là maintenant, pas rassasié. Tu as mangé jusqu'en 5. Tu es rassasié. Et le dragon, il est où? Comment? Aïe! Feu! La puissance de Dieu. Comment? Feu! Comment? La puissance de Dieu. Comment? Le feu! Le feu! Le feu! Allez! Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Allez, allez, allez. Le feu. Le feu. Lâche-la. 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 Feu! Je maudis ta présence dans ce corps. Et tu la libères. Tu quittes son corps. Tu quittes sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. De Nazareth. De Nazareth. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Amenez-moi sa fille là. Ta fille là, pendant que je priais pour toi, tu as son sang dans une bouteille. Traduit. Tu as ça dans une bouteille. Vrai ou faux? Mais c'est elle qui doit mourir avant l'institutrice. C'est pas l'institutrice, c'est elle qui doit mourir. Et elle doit mourir dans un accident. N'est-ce pas? Le 18 janvier. Faites-le, c'est ça? C'est ça?
Je prie que la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas que les gens meurent injustement sur le combat que nous menons. Que la puissance de Dieu te libère ce soir. Le diable ne régnera pas longtemps sur ta vie. Parce que cette vie que tu as appartient à Dieu. Je prie que l'esprit de mort et que cette puissance de la sorcellerie libère ta vie. Je libère ta vie ce soir par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux esprits de lâcher ta vie. L'esprit de la sorcellerie et l'esprit de mort te libère au lâcher sa vie. Je fais cette déprogrammation sur ton âme. La puissance de Dieu vient et elle te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Et cette force de l'esprit te délivre ce soir. L'esprit te libère ce soir. La mort te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, vous libérez son âme. Vous libérez totalement sa vie. Lâchez-la. Et vous partez, et maintenant même. Vous voyez, elle vivait, mais elle ne vivait pas avec son âme. Mais Jésus-Christ te délivre ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Lâchez-la. Allez! Le feu! Le feu! Le feu! Consume vos œuvres. Le feu consume vos œuvres. Et vous libérez son âme. Vous libérez ce soir son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissante main de Dieu te libère. Sa puissance te libère. Au nom de Jésus. Je fais cette... Le feu te libère. Tu ne mourras plus. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse cette mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Reçois. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère. Et puis cette femme, cette fille, c'est une étoile de sa famille. C'est quelqu'un qui dit à Dieu. Je fais quoi? La puissance de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Reçois la délivrance ce soir. La main de Jésus te libère. La main de Dieu te libère ce soir. Je commande aux esprits de lâcher ton âme. Au nom de Jésus. Reçois. 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 La fille, elle est venue avec hein? Vous savez qu'elle a inspiré la sorcellerie? C'est pour ça que vous êtes venu? Si tu es venu ici, la forêt est tranquille, elle ne peut pas m'attaquer. Hein? Moi j'ai pris là. J'ai pris Jésus chez moi. Allez voir quartier général là-bas. Tu es venu puis tu n'es pas là où les sorciers sont. Va là-bas. Oui. C'est pas là-bas le quartier. Il est à côté de toi ici le quartier. Là-bas. Juste à côté. Depuis quand vous avez su qu'elle est sorcière? Moi, mais je pensais que c'était un enfantement. Depuis quand vous avez su? Répondez la question. C'est depuis le mois passé là. Comment vous avez su? Elle a des comportements bizarres. Donc j'ai commencé à sentir que c'est pas un enfantement. Voilà. Ouais, il a initié la sorcellerie. Ah. Ça me fatigue même. Mais elle sera délivrée. Ah, okay. Merci. Avec beaucoup, beaucoup d'amour, nous allons la délivrer. Avec beaucoup d'amour, on va la récupérer. On va ramener la sorcellerie et on va la délivrer. Merci. Ils ont gâté ta chance, tu sais. Toi, tu devais vivre en Angleterre, à Londres. Après, on venait construire les maisons des gens. Ils ont gâté tout ça. Mais Dieu va te donner ça. Dieu va te donner tout ça. Il y a un blanc dans sa vie.
Viens, viens. On a des Allemands. On a des Allemands. Ici. Il faut lui dire, elle, elle devait marier un blanc, c'est dans sa vie. C'est ça? C'est ça? Réponds-moi. Et puis pourquoi tu gardes une étoile? Quelqu'un qui doit sauver la famille. Pourquoi? Qui va te redonner son nom de Jésus? La puissance de Dieu te libère ce soir. Vous gâtez les gens, vous êtes là, vous gâtez. Vous êtes tous nos parents et c'est vous qui nous gâtez. Bon, je suis trop choqué. Je vais recevoir les gens, je suis trop choqué. Je vais commencer.